la création d'une narration s'accompagne généralement d'enregistrements ratés. Elsa et la Ruse ont décidé de vous proposer l'écoute de leurs pires échecs sonores. N'ayez pas peur d'en rire. Alors que je me versais une tasse de café, c'est où la suite ? Mince. J'ai ensuite fait le tour de l'île, de l'îlot. L'îlot ! Il laissait parfois tomber la ligne du sourire au milieu de la conversation. Bah, ça veut rien dire en fait. C'est quoi cette traduction là ? Traduction premium ! La tension s'est immédiatement dissipée. Et j'ai... mi-grogné, mi-chuchoté, on fait comment là ? La tension s'est immédiatement dissipée. Plus tard, alors que je m'immergeais dans le tube avec deux tranches de concombre sur les yeux, dans le tube... Ah, la baignoire ! Je me suis réinstallée confortablement. Par la suite... C'est où ? Oh, je suis encore perdue dans le texte. Je me suis réinstallée confortablement. Par la suite, en m'essuyant, j'ai remarqué un visage souriant dans le miroir embué au-dessus de du lavabo, parce que c'est du lavabo, c'est pas de l'évier ! Steven étant déjà couché pour la nuit... Mon cours sur les limites a été reporté au lendemain matin. Mon cours sur les limites, c'est quoi ça encore ? Oh yeah, mais c'est pas vrai ! Il a immédiatement roulé sur le côté. Sur le côté ? L'autre tâtant une plaie qui fuit sous le menton. Il a écorté. Oui, bien sûr. Il a écarté. Écorté, toujours ? Oh purée, mais le lambrusco de ce midi, c'est pas une réussite. Hein. Maman m'a dit de rester à l'écart. Jusqu'à ce que quelqu'un le raccompagne. Maman m'a dit de rester chez elle, J'ai doucement frappé à la porte. Frapper à la porte, non, c'est pas un infinitif. Il traînait une main rouge homard, le nom du mur, Juste au-dessus de ma tête, deux ampoules floues tournaient l'une autour de l'autre. Je les ai regardées, tourner en rond, jusqu'à ce que deux, Steven... La bouche couverte de sang croûteux se penche. Oh là, c'est quoi cette histoire ? Oui. Après quoi, maman m'a emmené chez elle où, pour une raison étrange, ma bouche. Si les plafonniers, je vais avoir du mal. Si les plafonniers s'éteignent, ne reste jamais dans le bus alors que tu étais. En dessous des règles de base, qui sont assez déjà bizarres, il y a une section intitulée « Je ne me souviens pas de ce que c'était. Je ne me souviens pas de ce que c'était. » Et demande-lui si tu le projetterais dans le rétroviseur du conducteur. C'est ta chance. Et souhaite-lui bonne chance. Ouais. Mon imagination ? Ouh là là, il fallait que je chasse. L'avais-je effacé de ma mémoire, de mes mémoires ? Ce n'est pas si loin. Je suis enroué. C'est pas si loin. Pas du tout. Non. Détends-toi, Damien. Bah ça va pas du tout, décidément. Détends-toi, Damien. J'ai fait installer des pneus. Détends-toi, Damien. Ouh. Oh, elle ne l'a pas dit. J'ai appelé pour confirmer. Nous sommes des professionnels, Madame Jacob. Et c'est pas possible, hein. J'ai plus de voix. Je serais prête à pas. On aurait dit qu'une grue l'avait soulevée et posée au milieu d'un champ verdoyant. Je n'aimais pas blablabla. Chloé savait qu'elle était sur le point de recevoir un barrage pour ses indiscrétions suspectes. Chloé savait qu'elle était sur le point de recevoir une engueulade pour ses indiscrétions suspectes. Je l'étais encore plus dans les mois qui ont suivi la réception de Perle, et je m'en voulais de m'en. Alors que je me désespérais de son inaptitude, je n'étais pas non-croyant, mon travail ne me le... à peine visible à travers les lampes rusées. Mais je décidais de ne pas exprimer mes inquiétudes. Puis-je vous demander pourquoi vous nous avez fait jusqu'ici ? Ben non, mais si je dis pas venir, la phrase n'a pas de sens. Puis-je vous demander pourquoi vous nous avez fait venir jusqu'ici, c'est horrible. Elle avait l'air indignée, comme si personne n'avait jeté au Tetulia. L'aurait-il gardé à la cave s'ils avaient vécu assez longtemps pour la voir telle que... Fabien s'est tourné vers moi,
ses yeux noirs et un noir comme âme. Je vous assure que je suis plus qu'équipé pour m'occuper d'un enfant. Hein, nous avons les moyens de vous faire parler. Je réclipais. Je réclipais. Nouveau mot de la langue française. Réclipais. Pour influencer fait. Prêt à attraper Chloé et à monter dans la voiture. Elle a acquiescé. Et nous avons tâtonné au centre du groupe. J'aurais dû maudire l'absence de rémunération pour un travail aussi risqué. Mais lorsque ça fait ça, la première visite à domicile que j'ai effectuée après avoir embauché...